En l'an 700 de Rome, Jules César prépare une nouvelle campagne en Gaule. En février, trois légions sont venues renforcer les sept légions déjà présentes. Pas facile à dire ce cas. Il y a cinq ans que Jules César a pris ses fonctions de proconsul de la Gaule cisalpine et transalpine. Il y a cinq ans que les événements de Gaule ont commencé. Envoyez le texte plus vite. Jules César a besoin d'une nouvelle recrue, de nouveaux financements. Crassus en Florus, dont le père est mort à Car face aux Parthes cette année. Ça, c'est très intéressant. Ça donne, dans leur ville, sur les bords du Tibre, leur activité principale, ne rien foutre. Il est quelle heure, Enfoirus? Il est 5 heures, Crassus. Mais j'avance de 10 minutes. Il est 5 heures. Rome s'éveille. Il est 5 heures. Tu sais, Enfoirus, que notre père tenait de notre grand-père le fait que son arrière-grand-père avait appris par son prisaïeul que les gens de l'âge de la pierre polie étaient beaucoup plus courtois que maintenant. Ah ouais. Ouais, ouais, il t'assommait, mais il disait bonjour d'abord. T'es con, mon Crassus. On n'est pas bien, là. Ouais. Tu sais, frérot, j'ai pas envie de la faire, hein, sa guerre de César, là, j'ai pas envie de la faire. Moi non plus. Il paraît que ces barbares, ils ne boivent que de la bière. T'en as déjà bu, toi? Non. Ouais, ça doit pas être mauvais, ça. Nous sommes de frères jumeaux, tous deux du signe du Verseau. On préfère les tonneaux, remplis de vin plutôt que d'eau. Pas question qu'on aille sur tes champs de bataille. Nous n'en verrons pas au cimetière. Et les barbares qui n'aiment que la bière. Vider les enfants, qui c'est qui sommes les plus forts? Do ré mi fa sol la, la sol elle est pas si dorée. Pourquoi conquérir les pays voisins? Pourquoi qu'on irait faire les crétins? Nous voulons danser et chanter, vive la liberté. César, ta guerre on ne peut pas la faire. Cumulus, nous vaquons.
je ne suis pas mal de la terre. Moi, Gloria, je l'attends depuis longtemps. Il arrivera in extremis. Il sera beau. Un filtre d'amour. Oui. Oui, oui. Ah, c'est ça. Je peux faire ça peut-être, les greluches. Oui. Vais chercher. Vais chercher. Qu'est-ce que j'ai foutu des filtres d'amour? Bordel de cul. C'est, bien, hein. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas là-dedans. Ah. Et voilà. Dégoûté, vous n'allez pas. Oh, ma petite dame. Vas-y, vas-y. Eh, pas trop, pas trop. Alors? Alors, ma petite dame. Elle en veut? Du filtre d'amour, vous allez voir, hein. Les garçons là, ils arrêteront pas, hein. Sur le corps et ça attire les garçons. D'accord? Je vais vous donner ça.
Et voilà. Il n'y a pas de gluten dedans, hein? Il y a du gluten, mais justement, c'est le gluten qui attire les garçons. Faut le savoir, ils aiment les pâtes. Allez, filez maintenant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Restez pas là. Homme chat, légionnaire. On viole les hommes et on tue les femmes. Non, on tue les femmes, on viole les hommes. Non. On viole pas les hommes et on tue les femmes. On tue les femmes, on viole pas les hommes. On viole les femmes et on tue les hommes. Oh non, ce qui est dit quand même. Hein? Ouais. On peut faire les deux. On peut tuer les hommes, violer les femmes, tuer les femmes, violer les hommes et tout. De toute manière... On leur apporte la civilisation quand même. Patricien, sur ordre de César, je viens vous incorporer dans la Légion de Rome et vous confisquer tous vos biens. Toi avec ton poulet, tu diras à César qu'il allait se faire voir chez les Grecs. Tu lui diras toi-même, voici César. Que se passe-t-il, Pulmol? Moi, c'est Valda. Pulmol, il est malade. Grosse bronchite. Que se passe-t-il, Valda? Personne ne t'a en gueule, César. Et parlons pas de faire la guerre. Impossible. On tourne un film, César. Qu'est-ce film? Un film. On enregistre des images et on les projette sur un écran. César sait ce qu'est un film. César sait tout. César demande quel genre de film? C'est un navet, César. 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 Un navet, César. César.